Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play comme vous pouvez le voir sur Monster Hunter World. Alors celle-ci c'est la version PC qu'on va tester. J'avais fait l'impasse sur la PlayStation, la version PlayStation 4, non seulement parce que quelqu'un d'autre dans la rédaction de John Lane était très intéressé, mais que moi personnellement je préfère attendre la version PC pour voir un petit peu ce qu'il en avait dans le ventre, étant donné que j'ai quand même une configuration qui est bien évidemment supérieure à ce que font les PlayStation 4 et autres Xbox. Bon, je suis pro PC, hein, ça s'entend, c'est comme ça, mais ça ne changera pas. Alors, Monster Hunter, donc ici, qu'est-ce que c'est? Alors, Monster Hunter, c'est un jeu qui est développé par Capcom, et qui est en fait le plus grand succès en fait de Capcom d'ailleurs depuis toujours en fait, je pense. Je crois qu'ils ont, ouais, ça, ils ont vendu plus de 8 millions d'exemplaires sur PlayStation 4 et Xbox One, donc un énorme succès de ce début d'année. Évidemment, du coup, le portage sur PC était déjà prévu, mais évidemment là maintenant avec un succès pareil, c'est clair que ils ne pouvaient que le faire au plus vite. Alors ici, tout pareil que la version. En fait, Monster Hunter, c'est quoi? C'est on va incarner un chasseur de monstres, en fait, tout simplement. Donc, comme le dit le titre, et c'est un jeu qui se déroule avec des combats où est-ce qu'on va affronter des monstres de plus en plus titanesques, avec toute une série de tactiques, de personnages, de techniques, etc. Donc moi c'est pas du tout mon genre de jeu, mais j'aime beaucoup, enfin j'aime bien, mais je joue pas très régulièrement avec ça, donc je suis un véritable néophyte. Et donc vous attendez pas si je vais galérer un petit peu. Donc ici avec ce let's play, on va découvrir le jeu ensemble. J'ai déjà joué un tout petit peu, mais genre une heure, donc j'ai pas vraiment été très loin, j'ai fait la création de personnage, j'ai fait l'initiation du début je pense, la première mission, donc j'ai pas été, avec peut-être 2 heures de jeu mais pas plus. Je voulais recommencer ici avec vous depuis le début, donc une nouvelle partie, donc vous pouvez voir évidemment comment ça se passe. Par contre je m'excuse d'avance du coup, parce que il faudra passer par la création de personnage, j'ai pas le choix, je peux pas la créer à l'avance, sinon je zappe l'intro, et je serais un petit peu dommage de passer l'intro. Alors donc pour le let's play ici, j'ai décidé de laisser les voix en japonais parce que c'est un jeu japonais, donc moi je pars du principe que si c'est un jeu japonais, autant le laisser en japonais. Je peux relire par-dessus éventuellement. Et alors les parties où il n'y a pas de voix, je dirais le texte quoi. Donc ici, donc on va simplement commencer. Voilà, ça c'est le personnage que j'avais déjà créé. Ici, donc vous voyez j'ai 54 minutes de jeu, donc j'ai pas été très loin, donc on va découvrir tout simplement le jeu avec vous et on va redémarrer. Je vais faire le même, hein, je vais pas me casser la tête parce que c'est évidemment ces parties là que je vais exploiter le plus, mais je préférerais vous laisser l'intro parce que l'intro est vraiment sympatoche. Sate, Dai Goki Chousa Dan no Shokun, soro soro jikan da. 別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを勧める。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんこと。 もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな。
少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？うわあ、奇遇！俺たちもなんだ。な、名前を教えてくれよ。Pardon. Alors voilà, ici donc on parle de la création de personnage, et franchement la création de perso est quand même plutôt sympatoche. Je vois homme-femme évidemment. C'est dommage que je sais pas reprendre Non, je sais pas, malheureusement pas aller présélectionner, je suis sûr qu'il va déjà sauvegarder de l'autre côté. Ça aurait été quand même vachement plus pratique. Donc là on va prendre. J'étais parti sur ce modèle là. C'est ça, ouais. Ok. Alors. Mon visage avait changé, j'avais pris un visage un peu plus carré, me semble. Bon, c'était pas celui-là. C'est là-dessus. La pigmentation là, c'était pas mal. Alors là, je vais diminuer. Oh oui, qu'il fasse trop vieux, les rides. Je vais... Et... pas envie d'en faire un genou non plus, donc on va quand même. Voilà, j'en trouve ça. Voilà, alors la coiffure, j'avais pris. Ça, je me rappelle, c'était celle-là. Voilà. Avec des cheveux blancs, parce que c'est Seiyei, que c'est Seiya, des cheveux blancs. Alors la saturation, c'est pas mal. Pas gris blanc, voilà, ça c'est bien. Ok, alors les sourcils, alors c'est toujours un grand débat. Les arcades sourcilières, pas trop changé. Alors des gros sourcils. On va prendre. Non plus. Non. Compliqué ça. Ah, cela sent bien. Voilà. Bon, la crèche sourcilière, non, c'est très moche, c'est très bien. On va laisser comme ça, c'est pas mal. Paramètres couleur, peut-être. Pas spécialement blanc, non. Ça peut être plus foncé pour ça. C'est pas mal en fait, c'est comme ça, voilà. Ok, les yeux, j'avais galéré pour trouver des choix des yeux sympatoches. Il y a toute une flopée là, je sais plus lesquels j'avais sélectionné, je me rappelle plus. Parce que les tout grands yeux, bof, deux pas mal. Non, tristou, moche. 3, 2, ça va. Non, un jeu de bizarre quand même. Ça passe encore. Ça passe aussi. Ouais. La rigueur. Non, celui-là était pas mal là, je trouve. Voilà, là-dessus. Alors, ici, on va pas changer grand-chose, à part pour les couleurs. Mettre comme ça. Pareil pour toi. Voilà. C'est un personnage de jeu de rôle, c'est en fait que je joue depuis presque 20 ans maintenant, il a toujours à peu près la même gueule. Dans quel que soit, que ce soit jeu de plateau ou jeu de rôle MMO ou jeu de PC, quel qu'il soit. Toujours à peu près la même chose. Par contre le nez comme ça, bof. Ça passe encore par contre. Ouais, ça c'est pas mal. Pas pour ça. Alors la bouche, ça aussi c'est toujours bien galère. Non, pas les bouches de Mamadou, ça va pas le faire. Non plus.
non plus. Ouais, celle-là pas mal, allez. Hop, adopté. Pilosité faciale, là, j'ai mis le bouc à la barre complète. Pas si mal que ça, en fait, sans barbe, au fait. J'hésite maintenant entre celui-là ou celui-là. On va partir là-dessus. Voilà, c'est un peu plus clair peut-être. Pas trop clair. Là, ensuite, on continue, maquillage, on s'en fiche, maquillage, on s'en fiche, ah, quoi que, j'ai une cicatrice là-dessus, en fait. Ah ouais, j'ai maxé des griffes, ça. Le double de nez, c'est pas mal. Bon, non. Non, sûrement pas, non. Non, non. Clairement pas. Voilà, ça c'est pas mal, allez, hop. On reste comme ça. Expression, Mais non, quoi. Voilà, ça ira. Ça, les habits, alors par défaut, c'est très bien, on peut changer. La voix. Non. Sûrement pas. Non. Ouais, c'est celle que j'ai pris. Il y en a d'autres, mais elles sont balles, pas la peine. Au niveau équipement, maille. Je vois un peu la gueule, mais on va partir sur du cuir hein, de toute façon. Et voilà, on a fait. Entrer mon nom, bien entendu, pas de problème. Voilà. On confirme. Et alors, on va attaquer notre palico, qui est notre petit copain qui se balade avec nous. Alors, le modèle, je vais prendre. En fait, je vais partir sur l'idée de mon chat. À moi. Qui était parti sur une base de celui-là. Ok, alors la fourrure noir. Les motifs. Et noir. Ouf, on sort, on casse pas la tête. Tout noir, mon chat est tout noir. Voilà, noir. Les yeux, il a des yeux, tout ça, tout idiot, mon chat. C'est très bien. Par contre, il a des yeux un peu plus bruns, donc on va plutôt partir sur ça. Voilà. Les oreilles, elles sont bien. La queue, il y a quoi? On va peut-être changer la queue. Une queue un peu plus normale, quoi. Comme ça. Non, pas la grosse. Voilà. Les habits, Ouais, je change la saturation alors.
La voix. Ouais, carrément. Voilà. Et au niveau de l'équipement... Ok, il est très bien comme ça. Voilà. Terminé. Et on va entrer notre... nom de notre chat. Andromède. Et ouais, c'est comme ça qu'appelle mon chat. Et voilà, on peut continuer. Donc je continue à... à laisser l'intro. Parce qu'elle n'est pas finie. Hein. お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。交流はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に交流の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ゲルドは俺たち5機団の派遣で、交流あたりの謎が解明される、の期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が減速らしいよ。あなた、パートナーとはもう会った？わかりますか。さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた、推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。初めまして。何を隠そう、私も。Andromède, il est tombé. Nous aussi. Voilà, donc ça c'était la petite intro tranquille, hein. C'est pas mal, hein, vous pouvez le voir. On va aller jusqu'à... jusqu'à la fin de la petite initiation pour cet épisode, je pense. Ça me paraît pas mal, que ça vous voyez un petit peu quand même le gameplay. Voilà, alors, on va voir que le jeu il est quand même assez bluffant, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau, je trouve. Voilà, on peut courir, yop, 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 et on peut grimper, hop, hop, hop. Ah ouais, le navire il est plutôt mal barré. J'essaie de faire attention. Hop, parfait. Ça prend vachement. Bon, je sais qu'il me pète de dessus. Hop, hop, hop.
Ninja, hop, oula, y'a de la lame. Ah ouais, ça bouge beaucoup même, hein. Peut-être parce que c'est pas du sol. Yeah, on y va. C'est Batman. Eh ouais, c'était un monstre. C'est impressionnant le bestiau, hein. Alors pour le moment je suis sur une version version review, donc j'espère que le passage à la version définitive ne va pas saboter la partie que je suis en train d'enregistrer. J'espère. Parce que j'ai prévu évidemment de jouer avec des amis à ce jeu, donc il y aura, comme on peut continuer sa partie, faire des missions avec avec des potes, bah, c'est quand même assez sympatoche. Donc sûrement dans l'FP il y aura de temps en temps des passages en multijoueur. D'ailleurs, si jamais vous avez le jeu et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'ai absolument rien contre, hein. Loin de là. C'est vrai que le jeu est quand même vachement beau. Il y a tout qui bouge, les feuilles avec le vent. Alors, la carte, voyons. Yep. On est là. Et on doit aller là-bas. Hop. Allons jusque au QG. Et voilà, c'est plutôt joli, hein. Franchement. Forêt ancienne. Et bon, fond, c'est le QG. C'est là-bas qu'on doit aller. Eh bien, allons-y. Les vaisseaux ici sont pacifiques. Pas trop de soucis à se faire. Voilà. Elle me suit ou elle me suit pas? Ou je dois la suivre? Elle a pas l'air d'être très enthousiaste à me suivre. Ok, d'accord, donc je vais la suivre, c'est elle qui, apparemment. A les clés pour. Avancer. Screenshot. Alors je sais pas du tout ce que j'ai fait. こっちにも来てください。こっちから拠点に行けそうです。 Ah, avec ça, je les récolte au fil, d'accord.
Eh bien, allons-y. Donc pour le moment, je répète, hein, mais je ne lis pas tant qu'elle parle en japonais. Et si vous préférez faire que je fasse autrement, dites-le moi, hein, je suis pas contraire non plus. Et maintenant, il y a vraiment une majorité qui préférait que je mette ça en français, je le mettrai en français quoi. De toute façon, j'ai remarqué qu'à passer un moment, de toute façon, il y a beaucoup plus... c'est plus autant parlé à part dans les bons mouvements, donc... Bon, à la rigueur, c'est peut-être plus intelligent que je ne batte en français. Mais je le ferai peut-être pour le prochain épisode, alors. Je vais voir. Donc, faudrait que je vois ce que ça donne aussi la version de la VF. Ouh, la vilaine bait. Et elle n'est pas toute seule, en plus. C'est clair que c'est tellement mieux de se cacher. Je t'ai caché. Oh. Ah bah c'est eux qui me poussent, c'est marrant toi. Comique. Voilà. Continue notre chemin. Voilà, passez. Et continuez notre petite balade. On descend, c'est parti. Yep. Plus très loin. On va voir ça. Alors, on continue notre petite balade. Des empreintes. Pourquoi t'es si curieuse? On n'est pas armé. Les bestiaux un petit peu plus gros. Hein. La cavalerie est là. Ah, on fiche le camp. Ah ouais, mais il y a entre vous et entre la porte et moi, il y a le gros lézard. Je cours, j'arrive. Enfin, j'essaye. Je fonce, mais il y a toujours un gros leader, un lézard. Et il y en a encore un plus gros maintenant. Ouais, je vais essayer, mais... On va passer par là. Plongeons. Cours. Ouh. C'était chaud. Oui. T'as des gens qui sont. Voilà, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode, du coup, ça tombe bien, ça fait pile poil une demi-heure. Donc je vais terminer le petit blabla qui est ici, parce que je peux pas mettre pause. いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。
Et ça, c'est notre base d'opération, donc c'est la ville où se trouvent tous les Monster Hunter. Ici, un nouveau continent. Ok, donc on est un petit peu avec la contrainte du groupe. すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。 Et voilà le patron du coin. Yokoso. Est-ce que je continue le bleu là ou j'en profite pour en rester là? Je vais en profiter pour en rester là, donc on va se retrouver demain directement pour la suite de ce let's play. Alors au niveau du rythme, je ne sais pas encore comment je vais gérer. Je pense que ce sera un épisode tous les deux jours. Pour le moment, c'est un peu la limite que je peux faire. J'ai toujours des problèmes au niveau de la chaleur, donc tant que ça passe pas, je vais pas trop forcer. Mais dans ce cas-ci, vous aurez quand même encore un épisode demain soir à même heure, même endroit, donc sur la chaîne. Voilà, donc on va. C'est tranquille. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, si jamais vous découvrez la chaîne avec ce let's play, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous avez tous les liens ici que vous pouvez éventuellement utiliser pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain. C'était Magdar. Ciao, une bonne soirée.